Bien-aimés, nous comptons pour nous partager encore une fois la méditation de la parole de Dieu. M'a invité à ouvrir Bible avec moi dans le livre Galates, au chapitre 5. Nous allons lire deux versets, verset 22 et verset 23. Galates 5, verset 22 à 23. Ouvrez Bible avec moi. Sous gain Bible à tout près, sous pas gain, c'est pas grave. Respectez parole là dans le cœur pendant ma plie pour vous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mon mot lit encore bien aimé. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et le peuple de Dieu dit Amen. À soi, bien-aimés, nous pourrons faire un voyage dans le jardin spirituel. Un voyage dans notre jardin spirituel. Si vous êtes monde qui est habitué, branché dans le moment ça y est, ou très probablement t'étendez une fois déjà que moi parler du fait que nous tous chrétiens nés de nouveau, nous gagnons un jardin à cultiver. Son image qui fort, bien aimé, pas tarément jambes, blier image ça. C'est pas première fois m'a pu utiliser et c'est pas dernière fois m'a pu utiliser. Nous tous chrétiens qui rentrons dans la nouvelle naissance, qui a marché avec le Seigneur, nous gagnons un jardin spirituel n'a cultivé. Et en dans jardin ça, bien aimé, en particulier gagnons 9 fruits. Nous relayons les fruits l'esprit, bon Dieu. Tout chrétien qui a vive, tout chrétien qui gagne vraiment désir pour y sembler avec Jésus, y gagne une obligation pour y efforcer yo, pour y cultiver fruits jardin ça. Nous aimons préciser moun qui gagne désir sembler avec Jésus. M'pa parler de moun kap chachon bagay nan men Jésus, mais qui plus intéressé à sa yap chachéan que yon intéressé à Jésus lui-même. Moi toujours rappelo dans son ministère sur terre, te gagne catégorie moun sa yo tout qui te kon vin suivre Christ, pas parce que yon intéressé à Christ lui-même, mais parce que yon intéressé à miracle Christ kon fait. Christ kon bay foul moun manje, Christ kon ressuscite moun mouri, Christ kon guéri moun ki malade. Donc, gen yon paquet moun nan foul lan ki plus intéressé par miracle Jésus au lieu ou intéressé à Jésus. Eh bien, message à soyan, li pa concerné moun ki plus intéressé à miracle Jésus. Li plus concerné, bien-aimé, moun ki intéressé à Jésus lui-même. Moun ki vle sembler avec Jésus. Sou se moun sa ki vle sembler avec le Seigneur Jésus, eh bien ki te m'rapplo que ou gen yon jardin spirituel ou besoin cultiver. Et en dans jardin sa bien-aimé, genyen 9 fruits essentiellement. Et c'est texte ça que m'pap jam fin exploiter Galates 5 verset 22 en particulier qui présente nous fruits l'esprit a. 9 fruits. Fruits l'esprit en qui c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Alors thème bénignité en son thème peut-être non pas tant des souvent c'est livre simplement dit yon moun ki gon bienveillance douce. Yon moun ki gon douceur bienveillante. Gen moun ki bon, moun nan gon bonté naturelle la kali, mais gon moun ki gon bienveillance et puis moun nan gade moun nan douce nan façon moun nan ye. C'est ça yorele la bénignité. Yon moun ki bienveillant, ki gon douceur bienveillante, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça yo se fruit l'esprit ya. Et après-midi en particulier, mes bien-aimés, le nous rentrer dans le jardin spirituel, nous pourrons essayer cultiver yon fruit dans tout fruit sa yo. Et à soya nous pourrons parler de la patience. La patience, c'est yon nan fruit l'esprit à bay. Yon nan fruit l'esprit an. Moi, remè rappelons, le n'a parlé de fruit l'esprit,
non pas parler de don. Yon don, c'est un bagay yon ba ou, soit ou genyel, soit pas genyel. Mais yon fwi, c'est yon bagay ou kultive. Sou pa kultive fouyan, li pa vini a maturite. Si mta bo yon ti on mango, et ou ta reme mango a, ou ta souhaite pousse même plan mango sa nan jardin la kayou, ou gon devoir pou plante le kultive. Rouzel, l'ordre rouzel, mette le côté pour le prendre soleil, et fait en sorte que les gens gros intempéries, mauvais vent pas craser, ou cultiver. Donc, mes bien-aimés, la patience c'est un fruit l'esprit qui n'en jardin spirituel nous. Nous besoin cultiver. Et moi, j'aimais parler de la patience parce que la patience est située parmi tout fruit l'esprit, ou non position côté sous pas gagnel, ou pas qu'à cultiver en ken dans l'autre fruit. Ou besoin patience pour cultiver l'amour. Ou besoin patience pour cultiver la joie. Ou besoin patience pour cultiver la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, même j'en tout fruit l'esprit youn attaché avec l'autre. Eh bien, patience li joue un rôle essentiel dans le jardin spirituel ça que nous devons cultiver. Yon moun ka vive la vie chrétienne, mais qui pa prend soin, fouit patience dans la ville, moun sa la p'kone en pile échec. Et laissez m'dou mes bien-aimés dans le Seigneur, nous gon pression ka fait sous nous dans temps sa yon a vive pour nous perdre fouit ça. Na vive dans yon temps, na vive dans yon époque, côté toute bagaille c'est papada. Donc c'est un rappel pour moi-même avec vous pour nous pas oublier gagner un bagaille y aurait les patience et nous gagner obligation encore une fois pour nous cultiver. Gagner yo dit en l'église en Floride. Dans l'église ça yo fait annonce yo proposer tout le monde qui a vini un service en 22 minutes. 22 minutes. Yo tout dou ou pas besoin fatigo, dès pour ka jwenn 22 minutes dans ton gagnen pour faire service en cadeau ou mettre vini. Dans 22 minutes là, yo conserver 8 minutes pour le message de la parole de Dieu. Effet époque là, effet temps bien-aimé, l'irréel. Et nous-mêmes moun pa krisyo, nou pa épanier, nou ka gen tendance comporter nou vive même jan moun ki pa konnen bon Dieu vive. Tout bagay c'est la pou la. Nou ka perdu sens fouy l'esprit sa pote. Ça fait le Seigneur mette sou kè masroya pour moi rappeler nous peut-être quelques bagay nou konnen déjà sur la patience. En pile moun le a parlé de patience. Yo considéré patience lente kou yon attente passive de yon bagay. Alors image ki vini nan tèt mwen pou an pil moun, patience se lor ta rale ti chèz ou chita, men on an machwè ou ap tann yon bagay ki pou rive. An pil moun lè ap pale de patience, se sa yo mete nan tèt yo, se imaj sa ki vini nan tèt yo. Yon moun ki chita sou ti chèz li ki pa fan yen, ki chita paisiblement kap tan yon bagay rive. La parole de Dieu, mes bien-aimés, li pa enseigne pas patience, tan kou yon attente passive, yon moun ki chita, li mette men la machouel lap tan yon bagay rive. Le thème biblique de patience, se pa imay sa li évoqué dans l'esprit nou. Genyen plusieurs thèmes grecs yo traduit par patience dans le Nouveau Testament. Et dans toute acception, dans tout sens terme, non, li voye avec a on l'idée d'activité. Puis fort terme yo utilisé dans le Nouveau Testament pour yo parler de patience, gagon idée de mouvement, gagon idée d'action qui toujours accompagne. Et m'bral bon quelques versets, m'espérer ou ap gen moyen pour prendre quelques notes. Dans Nouveau Testament, bien-aimé, yon moun ki patient, c'est yon moun
qui pas dévié de yon objectif délibéré que le gagnait. C'est un monde qui fixait tête li yon objectif, li poko ka atteint objectif là, mais li kembe nan route li yon pour aller vers objectif là. Li gen yon but, li gen yon choix li fait, li accroché à but yon, li accroché à objectif là. Et quelle que soit épreuve li rencontré nan ville par rapport objectif li de atteindre nan, eh bien épreuve yo pas détourner le objectif là. Ça c'est sens biblique patience gagnant. Patience dans la Bible, mes bien-aimés, c'est choix yon moun fait pour li loyal ak la foi, pour li loyal nan piété, nan marche li avec le Seigneur malgré épreuve et souffrance. Ça m'ta remè nou comprendre ni très bien. Patience, c'est yon choix yon moun fait pour li loyal ak la foi, pour li loyal ak piété en tant que servante et serviteur de Dieu malgré épreuve, malgré souffrance. Donc patience, li pa ganyen pou wè a moun ki vin fon ti koute, ki vin chache, ki vin gade pou wè si sa l pat ka jwenn l'autre côté, an li ka jwenn li, jan nou di nan l'évangile. Moun sa facilement li ka déçu parce que après yon tan si l pa jwenn sa l tap chache, an la pou oblige kite sa. Mais moun ki gen patience lan, li pa vini parce que l bezwen yon bagay. Li vini parce que li get en recevoil déjà et la cultivé sa li genyen. Ça bien-aimé dans le Seigneur, n'ta remen nou bien comprendre ni pour nou wè ki qualité et fait patience genyen dans la vie nou en tant que chrétien. Yon moun ki patient, c'est yon moun ki dit tèt li malgré vents et marées, malgré épreuves et souffrances, m'a prêté fidèle à confiance moi dans bon Dieu. M'a prêté loyal nan foi moi nan bon Dieu, pas ganyen k'a fait me déplacer. Moun sa li gen patience. Li gen patience et patience li an active. C'est ça t'aime persévérer a vle di. Patience ak persévérance yo gen même racine. C'est ça k'a fait me te dou au départ, ou pas ka patient lo passif. Patient pa vle di pou passif. Lo patient ou nan persévérance, l'on patient ou campé ferme contre mauvais vent, ou dit nan tête ou malgré souffrance, malgré épreuve, m'ap tande le Seigneur, m'ap marché avec le Seigneur et m'pap dévié de route moi. Le ça ou fait preuve yon moun k'ap cultivé fruit l'esprit ça nou relé patience. Patience mes bien-aimés, li transformer épreuve nan vie nou en carburant pour la foi. M'ap redi encore, patience li transformer épreuve yo en carburant, en gaz pour la foi nou continuer avancer. Patience li fait souffrance nan vie nou gagner yon sens. Yon moun ki ap soufri mais qui pas fait en rien contre souffrance là parce que le pas capable, ça pas image yon moun qui gen patience. Yon moun qui gen patience, c'est yon moun qui wè souffrance là vini, li gon jan peut-être li te ka fè pour te éviter li, mais li konnen gon jan l'éviter souffrance ça, li ka fè route crochu, li di moi choisi servir le Seigneur malgré gen souffrance. M'a prêté ferme, m'a pas lâché, m'a pas quitté, m'a pas jeté l'éponge. Moun sa son moun kap persévéré, moun sa son moun kap marché avec patience. C'est un moun qui fait face à l'adversité, qui dit malgré adversité, m'a kembe ferme. Moun nan te ka bay vague, moun nan te ka abandonné, mais li dit m'a kembe ferme. Moun sa li cultiver sa nou rele patience, li cultiver sa nou rele persévérance. Mais bien-aimé, nou pa ka vive dans la vie Christ lan. Nou pa ka marcher dans chemin bon Dieu rele nou pour nous marcher en.
si nous pas gain patience. Combien moun ki souligne nan ki gen longtemps y a mandé bon Dieu yon bagay. Combien moun ki gen yon but de prière. Combien moun ki nan prière yo peut-être depuis des mois, des années, toujours a pote même requête là devant bon Dieu. Et malgré tout, yo beaucoup jam recevoir ça yo ta souhaité yon. Mais malgré ça, yo continuer dans la persévérance. Yo continuer dit Seigneur, ou gen doit poko bam sa m vleyan. Ou gen doit poko répondre priyèm nan janm ta souhaité lan. Mais Seigneur, m pa gen ken l'autre côté m pralé. Yo dit même Jacques Pierre, Seigneur, qui côté pou m'aller puisque c'est ou même qui sous la vie a. Moun sa son moun k'ap cultiver patience. Moun sa son moun ki dans la persévérance. Pa bliye mwen dou, persévérance ak patience, c'est même racine mo yo. Yo gen pou yo wè ak endurance. C'est un moun ki ap tann moment que bon Dieu fixé pour le faire ça la faire. Est-ce qu'on comprend ça que fait bien-aimé, un chrétien li pa ka vivre sans patience? C'est l'homme de Timoun yo raconté bou histoire bouki. Yo condamné Bouki, mettez le en prison pour yon mois yon jour. Bouki fait yon mois en prison. Le rive sous 30e jour, Bouki décide touye tête li. C'est un monde qui pas bay sens à souffrance la pendurer. C'est un monde li pas comprendre que épreuve yo fait partie de la vie en tant que chrétien. Et épreuve yo gagnent en réalité comme ultime but pour yo rapprocher li de bon Dieu. Yon moun kap vive la vie chrétien sans pa gen patience. Eh bien son moun kap marche, mais à n'importe qui moment, li ka bay vague. Et très souvent le bay vague, c'est le même bon Dieu te fixé pour le passer visiter. Le m'a parlé de patience pour remet mes bien-aimés, évoquer somme ça le somme 119 au verset 105. Psalmiste l'en dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Par contre, sous quelle image psalmiste l'a utilisé dans verset ça? Parole bon Dieu, c'est un couillon long, lampe cap clairé chaque pas psalmiste l'en fait. Il fait parole bon Dieu confiance. Li pa nécessairement connaît qui côté le pralé à la fin du tunnel. Li joine assez de lumière pour le faire yon pas. Chaque pas li fait son pas par la foi. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ça c'est première étape là. La vie de chrétien, hein, c'est une vie bien-aimée qui pas toujours connaît qui côté à la fin. Bon Dieu a mené. Li pa toujours konnen. Naturellement, nous konnen, nous pralé dans la vie éternelle. Nous pralé avec sauveur nou an. Mais de ce côté de l'éternité, nous pa toujours konnen ki côté bon Dieu a mené nous dans vie ça. Seulement, nous gen assurance que l'ampli a clairé nous chaque pas nous fait dans vie ça. Ta parole est une lampe à mes pieds. Le me lever le matin, m'gen doit pas konnen comment journée a fini. Même fait bon Dieu confiance pour cadre ça à moins là l'ampli a clairé pied pour moment ça. Et ça fait Jésus a dit disciple tout pas inquiéter nous pour demain. Bagay n'a pral manger ça n'a joindre pour demain. Quitter chaque jour gérer propre tête pâle. Le n'a prier notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pour qui ça? Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est jodiant, bon Dieu fait provision. C'est jodiant pour vivre la vie de Jésus. Pas inquiéto sous bagay ou pas contrôlé dans le futur. Pas inquiéto sous bagay kap vini bien loin ou pas connaît. Mais patiemment, dans la persévérance, fayons pas par la foi. Jodi en ces jours, pas par la foi. Pas inquiéto sous comment ou pral lever demain, comment monde l'en pral lier,
qui ça qu'a passé jodi en fayon pas par la foi marcher dans la persévérance avec patience ou qu'on aime réaliser mes bien-aimés gen yon bagay qui pral vin de plus en plus grave nan tan n'ap viv la. Ou est question maladie moun ki fè ke, moun ki fè tension, moun ki fè maladie stress, ki fè moun fè stroke. Tout bagay sa yo m'espere mwen gen tort, mais mwen gen impression que bagay sa yo yo pral vini pi red plus tan ap avanse. Mwen impression anxiété, inquiétude, c'est bagay sa yo ki pral norme dans la vie moun. C'est bagay sa yo, c'est comme ça moun pral vivre. D'ailleurs, sou se moun k'ap suiv débat ki gen nan société yo, ou apwè aux États-Unis, gen un gros débat actuellement pour yo légaliser cannabis sans son plante. Alors, plante ça, li gen de effet tant kou drogue. Et m'gen impression pral gon le ki rive non seulement cannabis lan ap légalisé mais pral tellement gen moun kap consommer et kap consommer en grande quantité yo pral découvri que le gen de effet secondaire parce que moun pral tellement fait excès la donne. Pour qui ça moun pral fait excès la donne? Parce que tout simplement moun pral chercher bagay ki pou distraire l'esprit yo. Moun pral chercher toute qualité drogue qui pou fè yo pa gen inquiétude pour lendemain. Ça m'a dit l'an bien-aimé, jodi an ou ka écrit et m'espérer mentor, m'pa vle prophète de malheur parce que m'pa pran plaisir dans di de bagay qui mal et pour m'ta wè yo rive. Même zouli en vérité, c'est vers ça nous praler. Société ou pral gen pile pression là-dedans yo. Moun pral commencer vivre tellement dans anxiété, dans inquiétude, dans stress. Ou ap tande ça arriver souvent que moun mouri de façon subie. Moun mouri sans yo pat malade. Moun nan gen doit paraître jambe la marcher normalement et puis c'est tande le tomber pipe li mouri. Parce que gon pression ka fait bien-aimé. Si m'ap comprendre pour nous-mêmes chrétiens, si nous cultivons depuis jodi en patience, si nous cultivons la persévérance, la marche par la foi, dans la foi, eh bien, nous avons une garantie, bien-aimés, que nous préservons de pression qui gagne pour faire, qui exercer sous monde-là. Cultiver patience dans le jardin spirituel, où il dit, marcher selon sa psalmiste l'indiant, avec parole bon Dieu tant qu'on lampe dans pied. Même Jean le Seigneur Jésus a dit disciple, priez mandez-moi le pain quotidien. Pas embarrasso de bagaille demain, de quoi demain sera fait. À chaque jour suffit sa peine. L'en lever le matin, levez-moi en l'air, dis bon Dieu merci. Détirer corps dans cabanon, l'en lever devant cabanon. Ou fin pren genou, parce que m toujours aimer rappelo, premier bagay ou fait dans genou, c'est pren genou, ou descendre devant le tréro, parce que l'on descend devant le tréro, ou camper tréro dans journée. Hein. L'on lever le matin, dit bon Dieu merci, ou pas besoin inquiéto pour bagay qui pral fait l'autre semaine, inquiétude pour ça m pral fait dans 3 mois, vive journée jodi, bon Dieu baou. Vive journée jodi, bon Dieu baou. Kembe fort dans la prière, priez pour ça au cap souffri, priez pour besoin et vive dans la patience. Tant bon Dieu fait intervention. La vie nous tout monde pas bon Dieu yo. Li pas sous compte nous. La vie nous sous compte bon Dieu. L'on moun a vive dans la patience, l'on moun a vive dans la persévérance. Li gen yon dimension de confiance. Li di Seigneur, m pa kontrolan yon nan vi. Ma bo la vi m jodi an. E m gen assurance, se ou menm kap kondwi. E nan deuxième partie somme nan mes bien-aimés, psalmiste di, une lumière sur mon sentier.
Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est ça me contrôler, hein? Lampe là, l'aider pour chaque pas me fait. Et par la foi, moi crois que c'est une lumière liée qui a éclairé chemin, jou côté me pas ouais. Par contre, sous contraste là, jodiant, parole là c'est lampe là, c'est parole là me besoin, présence bon Dieu me besoin. Présence bon Dieu suffit pour moi. C'est ça me besoin. Et me connais l'homme gain présence li jodiant, li gétant a éclairé route moi pour jou k'ap vini yo. Me pas besoin inquiéter. La Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, li décrit patience tant qu'ou fruit l'esprit ça tout disciple de Jésus-Christ. Comprenez bien ça me dit tout disciple de Jésus-Christ yo doit cultiver. Kounya moi senti gon différence ki t'a vle établi entre yon chrétien a yon disciple. Tellement gen moun ki di yo c'est chrétien kounya, ou gen impression kounya tem chrétien son tem ki yon ti jan pa pesé nan balance la encore. Et moi même rappeler tête moi en plus de yon chrétien m'ta vle yon disciple de Jésus-Christ. Yon disciple c'est un moun ki vive même jan met li vive, li ta reme semblé ak met li nan tout bagay. Li ta remè pran modèl met lan pou vin juste même jan avec met lan. Eh bien, pou disciple lan bien-aimé, li cultive fruit l'esprit a. Pou disciple lan, patience li tout simplement montre foi li genyen nan timing bon Dieu. Mwen remè rappele nou que mont bon Dieu pas toujours sous même l'heure avec mot panou. Et l'œil au différent, c'est pas bon Dieu qui pral ajuster mot pas là sous le panou. C'est nous-mêmes qui pour ajuster le nouan sous mot bon Dieu. Bon Dieu gen temps pour chaque bagaille. Sous son monde qui a prié, qui a demandé bon Dieu en bagaille. Ou fait bien, continue à prier. Et sous gen impression plus sous prier bagaille au vin pinoir, well, c'est peut-être un bon indicateur qu'on soit en bonne direction. Patience, c'est un monde qui dit fermement, m'attends. M'pap déplacer quand on mette dans le Seigneur. M'attends nous fermement. Ce sont un monde qui a demandé bon Dieu. Eh bien, patience, quand maintenant, faisons l'autre pas en plus. N'entendre bon Dieu. Cultiver patience. Jacques, dans chapitre 5, l'apôtre l'on a exhorté chrétiens pour vivre avec patience. Mais ça lui dit dans Jacques chapitre 5, verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » En passant, où est-ce qu'on a demandé bon Dieu aujourd'hui? Hein? Demain matin, bon Dieu doit baoul. Ça pas vle di, tout bagay fini, tout bagay pral bel. Ou pral rendre compte bien vite, bagay sa ou pense ki c'était bagay ki ta fè la vou changé. Hein? Bagay sa ou te di sou te gen lou ta vignon pi bon chrétien. Hein? Ou pral rendre compte le bon Dieu baoul. Oui, c'est pas exactement sa ou te pense. Et c'est ça, oui, ou de comprendre la question patience, tant bien aimé. Soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Li pa di soyez patient jusqu'à ce que bon Dieu bon soit mandé à non. Li di soyez patient jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ça veut dire même l'autre je non satisfaction kounya. Demain matin pral gon l'autre bagarre ou pral besoin qui pral mando pour gagner même patience là. Et de jour en jour, mois en mois, année en année, ou a toujours besoin pour vivre dans la patience jusqu'à ce que le Seigneur Jésus retourne. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Tant que nous vivons de ce côté de l'éternité, mes bien-aimés, bagayou pap jambon, nous kagons pi aller, nous kagons certaines améliorations, mais bagayou pap jamb parfait, ap toujours gen bagay kap fè nou jemi. C'est ça qui fait patience, c'est jusqu'à l'avènement du Seigneur pour nous gagner. Et Jacques continue pour le dire, m'remè imaj sa. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Laboureur lan qui plantait plante lan,
kap kultive jaden an. Oh, li plante yon ti plantule ou bien peut-être yon ti grain. Mais avec patience, lap tann pou kombinezon ki dwe fèt an ti grain nan ter, lan dlo ou an soleil lan, pou ti grain sa li komanse pousse. Et avec l'appui pour éventuellement avec le temps li ta manje fwi plante sa l plante ya. Et a pou tlan di nou menm tou, c'est pour nous patients à fermer que nous, car l'avènement du Seigneur est proche. Par contre, sous remarquer mes bien-aimés, question patience là liée à la question de l'avènement du Seigneur. Faut pas comprendre ni mal. Le n'a parlé de patience, c'est pas patience pour qu'a joindre et qu'a soit mandéant, patience pour qu'a joindre petite patience. Ça yo bon pour faire prière, ça yo mandé bon Dieu sauve-les, venir avec toutes sortes de supplications. Mais l'on fin joignyo, ça pas veut dire travail patience ou fini, parce que patience là encore une fois c'est jusqu'à l'avènement du Seigneur. Pour qui ça? Ah ben parce que tout simplement c'est avec l'avènement du Seigneur, mes bien-aimés, toute attente nous yo a comblé. C'est avec l'avènement du Seigneur nous pral dans la félicité. C'est avec l'avènement du Seigneur n'ap konnen véritablement la paix. Tant que n'ap viv nan monde ça, nou ka jwenn ti amélioration, ti pizale, mais bagay yo ap retourne même gen. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, affermissons nos cœurs. Si m te gen tan m tab bon exemple Moïse, yon homme bon Dieu pral fon apprentissage avèl. Moïse gon bagay kap boujonné nan kèl pour le peuple hébreu. Gon matin monsieur levé, là le tombé son égyptien qui touyon hébreu. Monsieur veye en relevé en bal touyé égyptien tout. Problème Moïse genyen, Moïse gon bagay kap manjel. Mais Moïse pa konn comment pou vivre avec patience, désir li genyen pou le bagay yo amélioré pou peuple hébreu. Moïse yvon kote le pran bagay yo nan men. Li touyon égyptien. Moïse pou konn nan niveau de patience moun kap marcher avec l'Éternel jusqu'à ce que bon Dieu pral pran Moïse pati avec li. Le monsieur fin tué égyptien, monsieur obligé sauver pour la cacher ville parce que gen moun ki wèl l tap touye égyptien parmi le peuple d'Israël, parmi les enfants des Hébreux. Yo di Moïse, qui est-ce qui met au chef sous nous? Est-ce que c'est tout ou besoin touye nous? Même j'onté touye égyptien. Le Moïse tende ça, monsieur rendu compte que ça l'était fait, le pensait l'était fait en cachette là. Égyptien le pensait l'était touye moun patouel langue et moun kite wel. Et le connaît si parole s'arrivait dans les oreilles pharaon, la ville en danger, monsieur obligé jeter. Et pendant Moïse en fuite, il pral passer 40 ans. 40 ans, bien-aimé, pour l'apprendre cultiver le fruit de la patience. 40 ans pour la cultiver la patience. Parce que gon baga ou gen nan cœur ou envie fait vrai ou pas ka fèl n'importe gens. Gon tan bon Dieu fixé. Faut qu'ou tan bon Dieu. Sou pa gen patience bien-aimé, ou a fait mauvais route. Sou pa gen patience ou a poser mauvais action. Sou pa gen patience ou ka prendre nan mauvais monde. Ou ka prendre un mauvais coup, c'est pourtant de bon Dieu. Cultiver la patience, mes bien-aimés. C'est youn nan fwi l'esprit, ya. La patience. Lors cultiver la patience, ou ka expérimenter tout la joie. Lors cultiver la patience, ou ka expérimenter la paix. Lors attendre bon Dieu, et ou konnen bon Dieu gontan le fixé pour toute bagay, ou pa krasé kòr pour anyen. Ou pa krasé kòr pour anyen. Assurez-vous de l'encourager, cultiver patience dans le jardin spirituel ou la patience. Tant bon Dieu dans toute bagaille et pas oublier tant que vous vivez de ce côté de l'éternité, vous avez toujours besoin de marcher dans la persévérance ou dans la patience. C'est pour parole ça vous encourager, bien aimé. Tant bon Dieu qu'on ont là, bon Dieu tant des supplications yo li qu'on ont là. Tant bon Dieu avec patience,
vive chaque jour dans la vous avec cœur content. Son petit mot sommeil moulin blanc à manger, manger là avec cœur content. Rende mon Dieu grâce, pas quitter mauvais la vie tout yo, pas quitter mauvais nouvelle pour toi aller, pas quitter main dans ma chouette, fait ti figou fenin. Fais bon Dieu confiance, tende bon Dieu avec patience. Ou qu'on ait la paix et la joie du Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous et que le Seigneur vous bénisse.